Ça marche aussi, hein. Je tire, boum, j'attaque sur un single leg. Ok, c'est bien, mais c'est pas ça que je veux là. Là, c'est vraiment qu'il pense, ah, il va tirer la garde. Et du coup, lui, quand on tire la garde, il va faire ça. Il va venir mettre son poids, commencer à passer. Et là, je le surprends, je me relève. Hein, sur comme ça. Souvent, les Mendes, par exemple, ils font comme ça. Hein. Moi, j'aime bien juste m'asseoir. Hop. Son pied, il a avancé parce que j'ai tiré. Si son pied, il est derrière là-bas, inverse, bah là, ça va pas. Ok, faut que je tire. Voilà, il a avancé. Ah, mais toi, t'es assis sur les fesses, hein. Là, pour montrer, parce que j'ai mal au cheville. Ok, juste ça. Et là, ça, c'est important. Ça, ici, en bas. Si je prends là, au-dessus, juste au-dessus, 3 cm au-dessus, ça, c'est beaucoup plus dur. Ça va glisser. La boule du talon qui est là, bam. Et je m'en sers. Bam. Je viens, je tire. Et là, par contre, c'est un petit peu bourrin. En général, lui, il lâche pas la manche. Ok, s'il lâche la manche, ça sert à rien de continuer à ce mouvement. Je vais passer, c'est bon. S'il tient la manche, il faut vraiment que je vienne, tire, je soulève. Boum. Comme ça, je peux rentrer plus facilement les hanches. Hein. Boum. Ok. Juste quand je vais être là, celui-là, je fais bien attention à bien le garder à l'intérieur. Les genoux collés et la cheville pour terminer la clé de bras. Mon talon sur les clés de bras, c'est ça que j'aime bien. Mon talon dans sa tête. Boum. Du coup, ça bouge sa colonne vertébrale. Hop. Son corps, il est un peu tordu là. C'est plus facile pour moi de contrôler. Souvent, on monte comme ça. La cuisse dans la gueule, pardon, la cuisse dans la tête, et comme ça, du coup, quand il va essayer de remonter, je vais pousser. Moi, j'aime moins, je préfère comme ça. C'est mieux, c'est plus serré, c'est plus facile de serrer les genoux. Et après, quand il va remonter, s'il remonte, je tire sur la tête. Ok? Et juste après, la clé de bras, on ajuste normal. On fait encore une.